Bonjour à tous, aujourd'hui Road to Fight vous amène à l'autre bout de la planète, ici en Thaïlande, où il fait bon vivre pour certains combattants européens. C'est notamment le cas des frères Bouganem qui sont devenus des stars ici dans le pays mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui nous allons nous immerger dans leur quotidien mais surtout nous allons vous raconter leur histoire. C'est parti, suivez-moi. Ça va, Dika, les gars? Ah, ça va. Comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Alors, les champions, salut toi. Dis comment bonjour. Ça va? Ça va, Dika? Oui, ça va, Dika, pas madame. Alors, on est ici à Pattaya. C'est là que vous avez créé votre camp. Mais vous connaissez le principe de l'émission. Aujourd'hui, on va faire un road trip ensemble. Et l'idée, c'est d'aller voir les endroits que vous aimez bien, que vous appréciez. Et puis surtout de raconter votre histoire. Ça va, on est d'accord. Vas-y, allez, on y va. On part en voiture? Vas-y, on y va. Go. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Est-ce que c'est ici à Pattaya que vous avez commencé la boxe thaï ou pas du tout? Non, on a commencé à Bruxelles. Mm-hmm. Et ensuite, à notre adolescence, on est arrivé à Bangkok. Et ensuite, Pattaya. Et après, on a fait toute la Thaïlande aussi. On n'est pas resté qu'à Pattaya. Mais pourquoi avoir choisi Pattaya pour établir votre camp? Qu'est-ce qu'elle a cette ville de plus que les autres? Rien. C'est juste que c'est une station balnéaire et c'est une vie tranquille, tu vois, contrairement à ce que les avis que les gens ont sur Pattaya. Je suis dans un quartier calme, à 5 minutes de Pattaya, tu vois. On n'est pas dans la fournaise de la prostitution. D'accord. Même si c'est par quartier, tu vois. Oui, il y a vraiment plusieurs volets dans cette ville, ouais. Il y a plusieurs facettes, ouais. Voilà, ça dépend des gens. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a moins de 18 ans, on se dit tiens, et si on allait changer de vie, vivre en Thaïlande, qu'est-ce qui fait ça? C'est pas ça, c'est que j'avais 45 combats. Mm-hmm. Donc j'avais un contrat avec Nitro Time à l'époque. Mm-hmm. J'avais un sponsoring avec eux et tout. Donc c'était la montée du K1. C'était juste le meilleur endroit en fait pour se préparer. J'aimais pas trop le K1, tu vois. Ouais. Donc j'ai préféré sacrifier ce que j'avais, la chance que j'avais déjà, parce que c'est très rare qu'un boxeur belge à l'époque soit pris. C'était le règne que des Hollandais à ce moment-là. Bien sûr, okay, ouais. Ben, j'ai renoncé à ça et je suis venu en Thaïlande pour tester le circuit thaïlandais qui est l'un des plus réputés et des plus durs au monde. Et il n'y a pas de problème quand on est. Reconnu dans tous les sports aussi. Mais quand on est adolescent, il n'y a pas de problème pour la prise en charge. On vous demande rien, je veux dire. Ça va t'étonner, on ne te donne même pas une autorisation de voyage. D'accord. C'est un problème. D'accord. Mais dans ce problème, on a trouvé notre bonheur. Parce super. Qu'on peut se déplacer. Vous vous êtes trouvé finalement dans votre voyage. Et toi, Yacine, tu étais son masseur, c'est ça à l'époque? Bah, en fait, j'étais jeune, hein, je suivais dans les camps. Mm-hmm. Et voilà quoi, ça m'arrivait de le masser parce qu'on n'avait pas une équipe au début. On était seul. Et ouais, je suivais des fois mon frère pour le masser ou pour le coacher. En même temps, ça m'arrivait aussi, même de tirer les pas des fois. Souvent, très très souvent. Je vais faire des préparations, j'étais jeune, mais... Et alors, vos rapports, on pourrait les décrire comme étant fusionnels quelque part, non? Vous avez toujours été tous les deux, tout seul. Vous vous êtes élevés vers le haut tous les deux. On peut parler de fusionnel ou pas? On s'est entraînés, il y avait une alchimie. Mm-hmm. Exactement.
une histoire particulière. Oui, c'est clair. C'est peut-être difficile pour toi d'aborder ce sujet. Bah, mais t'inquiète pas, tu peux poser des questions. Non, mais au contraire, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on se construit dans une vie? Comment est-ce qu'on trouve des repères quand on perd ses parents si jeunes, en fait? Comment vous avez fait? Quand on n'en a pas, c'est ça qui veut dire. Bah, vous les avez perdus jeunes, et c'est, pour moi, c'est un grand malheur. Et comment vous êtes construit? C'est un malheur en même temps, quelque chose de bien. Il a 5 ans qu'on a perdu son père. J'aurais pas eu ce malheur-là, j'aurais mal fini. C'est vrai? Ouais. Je reste en Belgique. J'aurais fait des conneries. La prison. Christophe, c'est l'autoritaire de vous deux, c'est ça? C'est toi qui as autorité dans votre fratrie? C'est comme fratrie. Mon frère, c'est mon pote, c'est tout. Ouais, c'est le sens de l'honneur et le sens du devoir. D'accord. Je respecte, c'est mon grand frère. C'est la même chose. Mmh. Lui, il me respecte, mais. Moi, je vois mon frère, je le vois plus comme un petit frère. Je suis frère, quoi, je suis avec lui. Comme un ami, quoi. Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas resté avec leur grand frère, moi, non. Mais vous vivez ensemble, en plus, hein. Moi, je kiffe, c'est un choix. Ouais, c'est lui qui veut. Ouais. Pas tout seul, je pars en couille, tu vois. Je n'importe quoi. J'ai mon raisonnement, tu vois, mais. Avec mon frère, je suis plus. C'est ton équilibre. C'est ton pilier. C'est sûr. Pour l'entraînement, je suis son équilibre. Dans la vie, sinon, il connaît la vie ici. Il connaît très bien la vie. Si les jeunes, il connaît bien. Et alors, du coup, votre réponse à la vie, elle a été très positive parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes élevé. Et comment. Aujourd'hui, je suis père de famille. Ouais. Et mon frère, il est oncle. Mmh. Après, nous, on n'a pas eu d'oncle. Ils sont décédés aussi. Les grand-mères et les grands-pères, on n'a pas eu. Et on n'a pas eu des bons rapports avec ceux qui étaient en vie, tu vois. Ils nous ont délaissés. Après, sportivement, on a trouvé notre direction. Et dans la vie, on aurait pu être n'importe où. C'est pas un refuge social à Thaïlande pour nous, tu vois. On aurait pu être en France, ça aurait été pareil, tu vois. C'est juste que sportivement, on avait des rêves, des directions. Mais c'est même pas des rêves parce qu'on n'a jamais rêvé, en fait. On a fait progressivement. On n'a jamais pensé à devenir champion. Et vous avez commencé dans des tout petits stadiums, un peu sales comme. On a commencé pas dans les stadiums, on a commencé dans les temples. Ah ouais. Dans les fêtes de temples, dans les combats vraiment. Yassine a commencé vraiment à basse échelle parce qu'il est venu qu'avec 4 combats ici. Moi je suis venu avec 45 combats. Ah ouais. C'est pas la même D'accord. chose. C'est facile de s'intégrer en Thaïlande ou pas? Tant que tu parles pas la langue, non. Il faut parler la langue pour se faire accepter. Et après, il faut savoir les rituels, les formalités culturelles. Il y a un gros choc culturel. D'accord. Que très peu de gens résistent. C'est pour ça que 95% des gens restent en Thaïlande à vie. Mmh. Ils partent. D'accord. Et donc, entre deux entraînements, j'imagine que vous avez un peu de temps pour chiller ou c'est que du business ou... Comment ça se passe? On fait un peu de tout. J'ai une marque qui s'appelle PSM Fighter. Tu vois. C'est un petit succès en ce moment, surtout au Moyen-Orient et en Europe. Et légèrement aux États-Unis vers le nord américain. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux? Quand on a du temps libre, je m'occupe de mon fils. Mmh. On fait de la piscine, on fait des petits foot sur la plage avec les boxeurs. On fait des petits paintball. On joue un peu en ligne parfois à la console. C'est vrai? Ouais. Mais là, je vous invite à faire un petit foot avec nous, comme on est dimanche. Petit foot sur la plage? Même si c'est entraînement, on fait un petit foot sur la plage et puis on fait un petit entraînement de boxe parce que c'est un peu de physique. On se prépare aussi. Voilà. Ok, allez, on y va. Let's go. Ouais, ça va. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. I am from Argentina gym, Naxumai. All of us want to be champions. All of us want to be the best pound for pound, like that. But it's not easy. They are like magic. They have good technique, good heart, good power, all. Baby, for the night,
donc ça y est, là c'est l'heure de l'entraînement, enfin fini la plage. Ouais. Donc là on est au camp Patch Samen FC, donc c'est un camp que vous avez créé il y a combien d'années maintenant? 4 ans je crois. 4 ans? Oui. Et comment elle est venue cette idée de créer un camp en fait? On voulait faire une équipe à nous, tu vois, des gens à qui on s'entendait, on voulait pas déranger les gens. Tu sais, on est un peu pudique, tu vois, on veut pas s'entraîner chez... En amenant des méthodes que les gens, ils aiment pas, tu vois, ou qu'ils apprécient pas, ou qu'ils mettent du temps à accepter. Mais c'était important d'avoir votre propre camp, en fait. Justement, c'est pour ça qu'on l'a fait. D'accord. On l'a fait pour ce genre de choses, et aussi après, on avait des entraîneurs qui étaient très forts, et on a vu que quand on était dans notre camp, ils aimaient pas qu'on ramène notre staff, tu vois. D'accord. Donc on a investi. Vous avez pris votre indépendance? Ouais, voilà, on a investi sur notre propre promotion, avec notre propre ligne de management de boxeurs. Donc on amène les boxeurs vers du début, on peut former un boxeur jusqu'au champion. On en est capable, les entraîneurs, le staff en est capable. Et alors du coup, Yacine, vous êtes coach en fait, c'est ça? Non. Vous n'êtes pas coach, vous êtes quoi alors? Superviseur? Non, on est superviseur, voilà exactement, on est superviseur, on supervise les méthodes d'entraînement et la direction des boxeurs dans la préparation et dans leur choix aussi de management, dans les combats qu'ils font et dans ce qu'ils construisent. Mais alors comment on s'y prend? Est-ce que Monsieur Tout-le-Monde peut débarquer en Thaïlande et créer son camp? Est-ce que c'est facile de créer un camp ici? Ouais, c'est facile, mais après... Comment on s'y prend? Une grosse expérience. Avoir une expérience et après, t'as beaucoup de gars, c'est des rigolos, ils ouvrent des camps, ils se ferment aussi vite qu'ils l'ont ouvert. Toi. D'accord. T'as des gens, ils ouvrent le camp parce qu'ils savent pas où mettre leur argent. Ça s'appelle, t'as des investisseurs bêtes, tu vois. Mais c'est comment est-ce qu'on s'y prend? On doit avoir forcément un partenaire thaïlandais ou pas du tout? Pas du tout, tu vois, tu peux créer des sociétés, dans la société, tu as un partenaire, mais tu peux t'arranger avec lui, tu vois. D'accord. C'est pas un souci, mais ça, c'est un business. On est là pour parler de boxe, quoi. D'accord. Ça, c'est autre chose. Bah, quand même, niveau business, vous avez créé votre marque, hein. Ça fait partie du business aussi. Bien placé. D'accord. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de tester ton matériel à l'entraînement. Tu donneras ton avis. Je vais les tester sur le sac. C'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, on s'entraîne. Je vais te mettre là. Ouais, merci. You know, come here, why not success like him? Because someone have technique, you know, but heart no good. Understand? When tired, them give up. Okay, when hurt, them give up like this. You know, that's why not success with same him. Because him not go outside, not go party. You know, if you take care of yourself, take care of your body. You can fight long time. Super. Punch. Oui, bien. Encore. Lève le poing gauche. Lève le poing gauche. Le poing gauche devant, en haut, quand tu mets le genou droit. Crampoir. Tu encore. Voilà. Mets la main droite. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ok. Il souffle, le pauvre. Super. Parfait. Ils sont bien ces gants, Léo. Ouais, c'est des gants qu'on vend. On a une page PSM Factor sur Facebook. Vrai? Vous pouvez les commander, les shorts aussi, c'est un matériel de qualité. Mais je commande le short et les gants, la complète collection. Merci les gars. T'en prie. De rien. Ouh, on va peut-être aller manger maintenant. Ouais, allez, on y va. Parce qu'on a passé une sacrée journée. Hein. Allez, go. Bien joué. T'as assuré.
skate. C'est toi qui t'occupes de la carrière de des deux frères. So, how did you meet each other? It's I grew up from the boxer, mm-hmm. with the boxing, you know. So this one is I take care of them almost it's 5 years already. I've been manager for them before. We have another promoter, but now we do by ourselves. But you grow up in the Muay Thai world, or? Yeah, in the moment we do Muay Thai world, MMA and K1, kickboxing also we do, you know. Not just Muay Thai, but we are professional in Muay Thai. Oh, okay. And how do you make them increase? What is your strategy? For me, the strategy, the first I make to make for them like character of fighter. Each one, they must have the character of fighter. If you see Yusef, he will look personality like calm, but never like aggressive. And Yasin, he will be another character again to present himself on the stage. We have to do like step by step, you know, to build the fighter in the same time. And also we do like branding by ourselves to represent Yusef between PSM. That's this. What Thailandese people think about them? They are a kind of legend. Everybody told that. Yeah. Yusef in the moment, all Thai the people, not only Yusef, it's Yasin also. Yusef is the best foreigner Muay Thai in the world in his category in the moment. You know, nobody can come in this way now. And all Thai agree, not just the Thai speak, but they also did have in magazine. They speak about him a lot. You know, that they accept. That mean they accept he can win the Thai way, to win the Thai style, Muay Thai, something like this, the Thai culture. That he learned a lot from this, you know. He can speak Thai now. He can speak Thai very well too, you know. So he's like a Thailandese now. Yeah, because that's why I tell you, he have to learn. And between time, from he lived the first year until in the moment, he learned every day. And from he learned, sometimes he have experience. And this one, to be improve himself, to grow up in the future. In the world Muay Thai. Elle me connaît depuis 11 ans. Tu vois ce qu'elle veut dire? Elle m'a observé pendant 11 ans, elle m'a vu évoluer pendant 11 ans. Et que là, ces 5 dernières années, on a changé de management. J'ai changé de management, pardon, et elle s'en est occupée. D'accord. We still grow up now, and we have vision to grow up. We not stop only this. This one for me, it's just us, you know. And how we can do like they have name forever, you know. So we do brand with PSM, we do gym, Pesaman Muay Thai, and now we have a new gym. We under construction in Phuket. The new PSM is opening soon in Phuket. Wow, you're a true businesswoman. Yeah, thank you. On va ouvrir un gym d'environ 800 mètres carrés. D'accord, donc ça c'est le prochain projet. Yeah. Mais alors qui peut vous arrêter les frères Bouganen? J'ai l'impression que rien ne peut vous stopper. C'est que entre les mains de Dieu, tu vois, c'est lui qui donne, c'est lui qui retire. C'est comme ça que ça se passe. Et donc là, en termes d'organisation, il y a des échéances qui arrivent. Qu'est-ce qui vous attend comme échéance? Bah avec le Phoenix, là je suis engagé. J'espère devenir comme mon frère, un boxeur sponsorisé par le Phoenix. Et c'est une très grande organisation. Et voilà, je compte défendre ma ceinture avec le sang, avec la sueur. Avec le cœur. Et ma WBC, pareillement, je compte continuer à boxer et défendre ce que je suis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous avez une réputation du tonnerre. On entend les gens qui parlent de vous, on vous classe même de légende. En Thaïlande, t'as vu ça de tes yeux. Et je l'ai vu de mes yeux, en parlant des Bouganem, effectivement, on me parle de légende. Et on me parle aussi de deux frères qui avancent la rage au ventre. Donc vraiment, c'est comme ça que les gens vous voient. Merci en tout cas pour cette super journée, merci pour ces confidences, merci pour votre patience. Merci pour votre patience à vous et votre temps. Et puis surtout, moi j'ai envie de tester un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez au quotidien. Donc je vais aller du côté de Phuket, je vais vous laisser maintenant et puis je vais aller tester un petit combat. Voilà. Hein, pourquoi pas, pour voir ce que vous ressentez au quotidien. Voilà. Okay, bon courage, et bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance les gars, parce que j'ai un petit peu la pression quand même. Tout va bien se passer. Je mange mon repas et puis je m'envole pour Phuket. Allez, bon
Nous sommes ici au Suwit Boxing Stadium dans la province de Phuket et c'est donc ici que je vais tenter le pari d'un combat professionnel. Je vais rencontrer Gaga, une championne serbe qui s'entraîne ici tous les jours puisqu'elle vit en Thaïlande et je vais surtout tenter de mettre en application les 3 semaines d'entraînement intensif et les conseils des frères Bouganem. C'est parti, suivez-moi, on va découvrir cet univers ensemble. Bon, c'était vraiment intense, pari réussi en tout cas. Merci à Yacine et Youssef pour leur coaching express durant cette émission. Donc c'était intéressant de voir par quelle émotion on peut passer quand on s'aventure dans ce genre de pari, c'est-à-dire d'aller boxer dans un stadium un peu dirty, un peu sale, dans un quartier méconnu de Phuket. C'est toujours intéressant comme expérience et on commence toujours par là quand on se lance dans une carrière. Ça lance parfois des vocations, il y a beaucoup de touristes qui se tentent cette expérience. Donc voilà, c'est ça la vie des frères Bouganem. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur SFR Sport 5. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt, gardez la forme. Between you and Biggie, was like who rules the nigger kingdom and shit, basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election. It's an election. It is that shit, you know what I'm saying? Me and Biggie's situation is smaller than that. Me and Biggie's situation is like fucking screw up, got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up, chopping rocks overnight, the nigga Biggie Smalls trying to turn into the Black Frank White, we had the no dreads to change our description, 2 cops is on the milk box missing, showed they clothes, you know they got stepped on, a fist full of bullets, a chest full of Teflon, run from the